les objets, les meubles sur les objets. On commence avec le basique et ce qu'on trouve dans le séjour, ok? Lo básico et lo que encontramos en el salón, sobre todo. Ok, on commence avec la table. La table, la mesa, ok? On trouve une table normalement dans la cuisine, dans le séjour, dans la salle à manger. Ok, tenemos muchas mesas. Et la table, c'est normalement pour manger. Par exemple, on met les assiettes. Ok, oh, ok, très bien. Après, on a une lampe. Donc, si on veut un peu de lumière, si queremos un poco de luz, et on met une lampe. Ok, on allume la lampe. Allumer, es encender. Ok, on allume une lampe. Après, on a les rideaux, comme vous voyez, ça, ce sont les rideaux et ça, c'est la fenêtre. Si on ne veut pas de lumière, on ferme les rideaux. Cerramos las cortinas, si no queremos luz. On ferme les rideaux. Si queremos que entre la luz, on ouvre les rideaux. Et on peut aussi ouvrir les fenêtres et fermer les fenêtres. Hein? Abrir la ventana ou cerrar la ventana. Ouvrir. Abrir, fermer, cerrar. OK? Un rideau, una cortina, une fenêtre, una ventana. OK. Après, on a la chaise, la silla, muy importante. C'est pour s'asseoir, es para sentarse. Por ejemplo, assieds-toi, es siéntate. Assieds-toi sur la chaise, OK? Siéntate en la silla, sur une chaise, en una silla. Après, on a ici, on a un fauteuil. Ça, normalement, c'est pour une personne. Ici, c'est plus grand pour beaucoup de personnes. OK? Ça, c'est un canapé. Et un canapé, c'est plus grand. Et un fauteuil, c'est pour une personne. Et on peut s'asseoir et s'intéresser. On peut s'asseoir dans le fauteuil ou dans le canapé pour regarder la télévision. Par exemple, ici, on a une télévision ou une télé. On peut regarder la télévision, vers la télévision, regarder la télé. OK? Et pour entrer ou sortir d'une pièce, une pièce est une habitation, ou pour entrer ou sortir d'une maison, on utilise une porte, una puerta. OK, une porte. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est un tapis. Et le tapis, on le met sur le sol, en el suelo, ou par terre, en el suelo, par terre. Donc, et c'est plus chaud. C'est más caliente. Pour les pieds, par exemple, pas los pieds, c'est plus chaud pour les pieds. OK. Et après, ici, on a un bureau. Un bureau, normalement, pour les enfants, c'est pour étudier, pas estudiar, ok? Ou pour travailler, pour les parents, un bureau, un escritorio, ok? Et pour mettre tous les livres, on utilise une étagère, une parole un peu difficile, une étagère, ok? Pour mettre les livres, une estantería, ok? On peut dans le bureau, donc on a, normalement, on a un bureau et une étagère pour les livres. Très bien. Et pour monter ou pour descendre, on utilise des escaliers. Les escaliers pour monter, subir, et pour descendre, bajar. Je monte, subo, je monte les escaliers, je descends les escaliers. OK? Subo ou bajo. Et ici, on a la cheminée. La cheminée, c'est quand il fait froid. On allume la cheminée. Quand il fait froid, ah, c'est frio. On allume la cheminée et avec la cheminée allumée, il fait chaud. Hace calor cuando la tenemos encendida, ok? Mais on l'allume quand il fait froid, hace frio, ok? Et comme ça, on a appris le vocabulaire basique. Vamos a aprender el vocabulario básico. Dans le suivant vidéo, dans la suivante vidéo, on va apprendre plus de vocabulaire. Más vocabulaire en la siguiente vidéo.